Regarde un peu ce que la mère a rejeté. Hé, toi, là, t'es de quel clan ? Je n'ai pas de clan. Je viens du continent. Seuls les guerriers de Skellige ont le droit de boire ici. Que faites-vous ici, alors ? Vous ressemblez plus à des bergers qu'à des guerriers. Sur Skellige, tout homme est un guerrier, même s'il est né dans une bergerie. Mais tu peux pas comprendre. Sur le continent, les hommes sont tous des esclaves qui rampent au pied de leur maître comme des chiens. Quiconque refuse l'hospitalité à un voyageur fait rejaillir la honte et le déshonneur sur son clan. Ton père ne t'a donc rien appris. Laisse mon père hors de ça, Yorund. Je t'envoie faire un somme sous un tumulus. Et toi, étranger, n'oublie pas. T'es pas à Kertrol ici. Et on n'est pas des Ankraï. Les étrangers ne sont pas les bienvenus. Et toi, les étrangers ne te dérangent pas ? Ce sont les imbéciles qui me dérangent. Qu'importe d'où ils viennent. Geralt de Rive, sorceleur. Yorund, fils de Sigvald. Assieds-toi avec moi si tu veux. J'ai de l'hydromel et des histoires pour aller avec. Si tu cherches un camarade de beuverie, tu tombes bien. Si c'est pour du travail, idem. On a un monstre à tuer. Bon, dis-moi, de quel genre de monstre s'agit-il ? C'est un fantôme, je pense, ou un spectre quelconque. Il hante l'île d'Eldberg, près du phare. Au début, c'était pas bien méchant. Le phare s'est éteint une nuit. C'est lui qui guide les bateaux jusqu'à Arinbjorn. Alors on a envoyé deux hommes pour voir ce qui s'était passé. Laisse-moi deviner, ils ne sont pas revenus. Ouais, c'est ça. Et Mikjal, le gardien du phare, a disparu lui aussi. J'ai monté une expédition avec quelques gars et on a mis le cap sur l'île. Mais juste en arrivant, j'ai vu un fantôme sur le rivage. J'ai préféré faire demi-tour. Tu dois me prendre pour un lâche. Mais j'ai senti que nos épées ne nous serviraient à rien. J'ai préféré rentrer au village pour réunir une récompense. Aide-nous, et elle est à toi. Je t'aime bien, Yorund, mais les affaires sont les affaires. Ce n'est pas suffisant. N'exagère pas, Geralt. Même le Jarl ne débourserait pas une somme pareille. Je veux bien faire un effort, mais pas à ce point-là. Je veux bien faire un effort. Parfait. Marché conclu. Top là, Geralt. Très bien. Je m'en charge. Merci, Geralt. T'es un type bien, tu sais.
Cette mine n'est pas naturelle. Oui, y a quelqu'un ? Comment vous êtes arrivé ici ? En bateau. C'est assez fréquent dans les îles. Vous êtes Mikyal, le gardien de phare. C'est Jorun Darinbjörn qui m'envoie. D'où viennent ces spectres ? La dernière fois que j'en ai vu autant, c'était à Vergen. Ils viennent de nulle part. De nulle part. Le feu s'est éteint et le vent s'est tué tout soudain. Ça a commencé comme ça. Je suis venu ici pour prendre de l'huile. En sortant, j'ai vu une sorte de brume. Et c'est là que les fantômes ont foncé droit sur moi. Je suis rentré tout de suite. Je me suis barricadé. Et là, j'ai entendu une voix qui m'appelait. Mikyal ! Mikyal ! J'ai regardé dehors et j'ai vu un spectre énorme, plus grand que tous les autres. Il était froid comme la mort, tellement froid qu'il y avait du givre sur les fenêtres. Parlez-moi un peu de ce spectre plus grand que les autres. Il avait l'air plus malin que les autres. Il savait tout. Ça doit pas vous aider beaucoup, non? Désolé. Je l'ai vu qu'une fois. Après ça, il a disparu. Ces fantômes ne sont pas ici par hasard. Vous avez une idée de ce qui aurait pu les attirer? Non, je vois pas. Cette île est quasiment déserte. Il y a le phare et ma bicoque. Sinon, c'est juste de la caillasse. Même les noyeurs y viennent pas sur Eldberg. Bizarre. Il faut que je fouille les environs. Tenez, c'est la clé du phare si jamais vous voulez jeter un œil à l'intérieur. Ou vous y barricadez.
maître. Tiens, tiens. Le gardien de phare cache un vilain secret. Des symboles de domination. C'est un concentré de malveillance pure. Une malédiction. C'est une malédiction qui retire les spectres ici. Un pénitent. Heureusement qu'il ne m'est pas tombé dessus. Avec toute cette brume et ces ténèbres, je ne peux rien faire contre lui. Il faut rallumer le phare. Si c'est Mikial qui a été maudit, la malédiction l'empêche de partir. Lui seul peut allumer le feu qui lèvera la malédiction. Alors, vous avez trouvé quelque chose ? L'île est hantée par un pénitent, un spectre qui punit les criminels de la pire espèce. Vous attirez des bateaux pour qu'ils s'échouent sur les rochers, et ensuite vous récupérez le butin. Ne niez pas, j'ai trouvé la lettre. Des dracars qui coulent, ça arrive tout le temps. C'est la mer, c'est la nature. Au moins, quand ils coulent près de l'île, leur cargaison n'est pas perdue pour tout le monde. On verra ça plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin de votre aide. Quoi ? Mais je suis pas un guerrier, moi ! Ça, j'avais deviné. Mais une malédiction plane sur vous et cet endroit. Vous seul pouvez la lever. Il vous suffit d'allumer le feu en haut du phare. Tant que cette île sera plongée dans les ténèbres, le pénitent sera invincible. Non ! Je peux pas sortir ! Il va me tuer, je le sens ! Peut-être que vous pourriez... Je vais venir avec vous. Vous n'avez pas le choix. Prenez de l'huile et suivez-moi. Sinon, débrouillez-vous tout seul. Regardez ! Là ! C'est lui ! Oui, j'ai vu. Fermez-la et allez allumer le phare. Et n'oubliez pas, si vous échouez, le pénitent me tuera. Et ensuite, ce sera votre tour.
devrait pas pouvoir tenir très longtemps. Enfin, de la lumière. Allez, au boulot. Tu comptes me faire languir longtemps? Thank you.
Ça a marché? Oui, mais ça ne veut pas dire que le problème est réglé. Un gardien de phare qui provoque des naufrages. Oui, je sais. J'ai fait une erreur. Je vous le jure, par Freya et par tous les dieux, je ne recommencerai plus jamais. Vous avez intérêt à la tenir, cette promesse. Si jamais j'entends dire qu'un bateau, ou même une barque, a fait naufrage sur Eldberg, je reviens terminer ce que le pénitent a commencé. C'est clair? Mais je... Oui, c'est compris. Et Geralt? J'ai tué le monstre du phare. C'était un pénitent, un spectre très rare et très dangereux. Qu'est-ce qu'il est venu faire sur Eldberg? C'est une île paisible. Même les sirènes se tiennent à l'écart. Quelqu'un a commis un crime sur cette île. Un crime terrible. Tu devrais poser la question à Mikial. Je pense que la réponse t'intéressera. Ça n'a pas d'importance. Parlons plutôt de ma récompense. Ah, oui, bien sûr. Tiens, voilà, tu l'as bien mérité. C'est ma tournée. À ta santé, Geralt. Il est rare que je suscite un tel grabuge. Vous ne devez pas voir beaucoup de gens du continent. C'est pas faux. Quand un Rédanien ou un Témérien a les noix assez grosses pour venir à Skellige, ils débarquent généralement à Kertrold. Ils ont un bon port là-bas, des tas de marchands, et un jarl indulgent envers les continentaux. Ces deux garçons, les bagarreurs, qui étaient-ils? Cori et Kraki. Toujours à chercher les ennuis, comme leur paternel, Lef. Il a un quelconque intérêt? Tout dépend. Si tu cherches un menteur et un lâche, c'est le gars rêvé. Adieu. Encore lui. T'as pris un autre hydromel, vagabond? On peut dire ça, oui. Alors achète-en un tonneau et fous le camp d'ici. Je vois que vous n'avez toujours pas compris les règles de l'hospitalité, les gars. Je vais devoir employer la manière forte. Merci, Jorund. Je vais te donner un coup de main. Tu comptes me faire languir longtemps? Tant de pillages, de guerres, de duels. Tout ça pour crever comme un con dans une taverne.
Reste tranquille, je vais chercher un guérisseur. Pas la peine. J'ai un poumon percé. Je vais me noyer dans mon propre sang. Bois un coup à ma mémoire, Jorund, fils de Sigvald. Un homme honorable, mort comme un crétin. Quoi ? Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Ils ont été tués.